Salut tout le monde, alors une nouvelle vidéo, je vais vous montrer la toile que j'ai reçue de la toile concours du Flora, c'était le concours pour ses 800 abonnés, donc j'ai été tirée au sort sur son concours et je vais vous faire voir donc la toile, je l'ai reçue donc aujourd'hui. Je vais cacher les adresses. J'ai déjà ouvert pour faire moins de bruit. Voilà. Alors, le petit kit, comme d'habitude. Le petit carré de colle. Alors moi je à chaque fois j'ai un petit bout de colle. J'utilise franchement pas beaucoup. Pour vous donner une idée, voilà le carré. Le rectangle de colle que j'avais pour le DP de mon neveu. Donc, pour rappel, c'était un 80 par 120. Et vous voyez ce que j'ai utilisé. Franchement, c'est pas grand chose. Donc, à chaque fois, j'en ai. Donc, celui-là, il va rejoindre la collection de ceux qui sont en attente. Hein. Voilà. Je pense pas l'utiliser, mais bon. La petite coupelle, donc celle-là je les trouve pas très très pratiques parce que tout simplement en fait quand on a fini d'utiliser la couleur, c'est très difficile à remettre. Je préfère celles qui sont comme ça avec le petit bec verseur, donc on met dedans les strass. Quand on a fini, on n'a plus qu'à verser dans le tube et c'est nickel, ça on met pas de partout. C'est bien dirigé par le petit bec verseur. Donc voilà le kit. Voilà, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Avec le petit stylet comme d'habitude, j'utilise pas donc l'embout. Je sais pas comment le mettre pour que vous voyez bien. Enfin, c'est l'embout où on peut mettre 3 ou 4, non ça doit être 3 strass. Et de l'autre côté, l'embout normal. Donc voilà, un kit qui ne va pas trop me servir parce que les stylets comme ça maintenant, je ne les utilise plus. Comme vous le savez, j'utilise plus que le petit cadeau de Rachel, que je fais un gros coucou d'ailleurs si elle passe par là. J'utilise plus que celui-là maintenant, il est trop confortable, j'adore, j'ai plus du tout mal aux doigts, c'est juste une pure merveille ce petit stylet. Elle l'a commandé d'ailleurs sur Flora, enfin chez Flora, donc Flora Charton du groupe La Folie du DP. Donc voilà le kit, je vais le mettre de côté, je pense pas m'en servir. Et on passe donc à la toile. Alors, je viens de voir un truc qui me fait pas trop plaisir. En fait, je suis un peu embêtée. Je vais vous dire pourquoi. Celles qui me suivent, vous le savez, je fais que des DP, des zones pour le bruit. J'essaie de vous prendre la feuille de route. Celles qui me suivent, vous avez l'habitude, je fais que des DP carrés, strass carrés. Et là, je viens d'apercevoir que c'est des strass ronds. Je
suis un peu embêtée. Alors, donc le dessin, voilà, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un 80 par 60 la taille. Je vais vous prendre comme ça, ça sera plus simple. Voilà, on voit mieux. Donc 80 par 60, toujours pour UH et Nastor. Il a déjà la feuille de route, elle a 2 pages. Il a 49 couleurs. Et par contre, et ben, comme vous le voyez, c'est des strass-ronds. Et je vais quand même regarder la. Je vais quand même regarder la toile, hein, mais ouais, on voit bien les cercles. Donc c'est bien du rond. C'est une toile ronde pour des strass-ronds. Donc je suis un peu déçue. Je vais essayer de le contacter en lui précisant que c'était un concours. J'en ai déjà parlé à Flora. Je vais voir sa réponse. Je vous tiens au courant. Pour l'instant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.